Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Ethereal Visions et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Ceci étant dit, nous sommes partis. 9 d'épée, le cavalier de coupe, le 8 d'épée, le magicien, le 3 de bâton et le pape pour finir. Ça va, c'est bien. Je dis c'est bien parce que là, vous avez très envie de vous faire plaisir, de peut-être... d'aimer, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, de faire une déclaration d'amour ou de recevoir des mots doux. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon de parler avec le cœur, de faire avec le cœur, de vibrer vraiment dans le plaisir. Et alors, ce cavalier de coupe, ce cœur qui a envie de s'exprimer, il est pris en sandwich par un 9 d'épée et un 8 d'épée. Autant vous dire que vous allez un petit peu cogiter les cancers pendant cette quinzaine et vous allez vous mettre un petit peu la rate au courbouillon et vous mettre de la pression alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu, je vous le dis tout de suite. En résultat, vous avez un pape qui vous dit « tout va bien se passer ». Le pape, c'est une énergie bienveillante, spirituelle, posée, tranquille. Moi, je le vois comme un grand-père qui vous dit, peu importe comment ça va se passer, au bout du compte, tout va bien se passer pour toi. Même si les choses ne se passent pas forcément comme t'avais prévu, tout va bien, tout va bien. Donc, vous avez déjà l'énergie de fin, je vous le livre tout de suite, parce que quand je vois ces deux cartes-là autour de ce cavalier de coupe, je sens que vous allez être un petit peu dans électrique par moment, les cancers. Alors, vous entrez dans la quinzaine, clairement, en vous faisant... alors, pour certains, c'est en vous faisant du souci. Pour d'autres, c'est pas que vous vous faites du souci, c'est que vous vous mettez la pression. Alors, à propos de quoi, ça, je sais pas, c'est un tirage général, donc pour certains, c'est à propos d'une histoire de cœur, d'une histoire d'amour, pour d'autres, c'est par rapport au travail, pour d'autres encore, c'est par rapport à un projet de vie, à quelque chose. Il y a quelque chose que vous initiez, ça c'est sûr, j'ai de la nouveauté avec ce magicien et ce 3 de bâton, vous êtes au démarrage de quelque chose, et je pense... Enfin, je suis même pratiquement sûre que ce qui vous stresse, c'est justement qu'à travers ce démarrage, c'est un démarrage heureux. Quelque chose qui vous plaît vraiment, que vous attendiez peut-être depuis un moment. Le truc, c'est que vous êtes juste au début. Et vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, et surtout, vous avez pas de visibilité, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Le 3 de bâton en challenge... m'indique que vous avez un peu du mal à préparer les choses, à préparer l'après. Avec le 3 de bâton, on est dans la patience, on est dans le... Vous voyez, cet homme qui prend de la hauteur et qui regarde l'horizon, vous aurez un peu de mal à prendre de la hauteur pendant cette quinzaine. Parce que enfermé dans votre mental, à vous mettre beaucoup de pression. Donc, vous démarrez la quinzaine avec peut-être des nuits difficiles, de pas dormir beaucoup, d'être chahuté intérieurement. Encore une fois, soit pour certains, vous vous faites du souci, donc ça vient clairement titiller des cordes sensibles, des vieilles blessures, des défauts de confiance, des peurs de ne pas y arriver. Bon, y a mille et une façons de se faire du souci pour X ou Y raison. Donc vous savez mieux que moi sur quel thème ça tourne. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires qu'est-ce qui vous préoccupe et qui par ailleurs
Il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui est plein de promesses avec ce pape. Mais ça vous... en fait, je pense que ça vous plaît tellement, l'enjeu est tellement fort que c'est là aussi que vous avez des inquiétudes et que vous vous mettez de la pression. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit pour vous, ben, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc, on se met de la pression, on a de la pression dès le début de la quinzaine. Comment vous vivez la quinzaine? Alors, je vais le prendre positivement. Il y a un léger mieux dans la quinzaine. On démarre avec un 9 et vous êtes dans l'état d'esprit pendant la quinzaine du 8 d'épée. Donc, on a déjà un petit degré en dessous. C'est déjà pas mal et c'est toujours bon à prendre. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit d'être encore enfermé dans votre mental, d'être encore... obsédé par certaines questions, de beaucoup réfléchir, de tourner, il y a des trucs qui vous tournent en tête dans tous les sens. Attention à pas vous voiler la face, à pas vous... regardez, comme cette femme, elle a la tête dans ses mains, là, elle a un bandeau sur les yeux, et en challenge, on a du mal justement à prendre de la hauteur pour bien voir, pour voir loin. Donc, il y a une question de vision dans la situation. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous projeter dans l'avenir? Parce que justement, vous vous mettez tellement de pression, vous avez peur, donc vous avez du mal à vous projeter dans un avenir, au moins dans un avenir serein. Est-ce que c'est simplement la situation qui veut ça? Parce que vous venez de démarrer, une relation amoureuse ou un nouveau job ou vous venez de déménager dans un nouveau lieu de vie. Et puis, je vous dis ça, je vous parle du magicien après, il y a vraiment du démarrage, de la nouveauté. Forcément, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça donnera, comment on se sentira dans un mois, dans 6 mois, dans un an, où est-ce qu'on en sera, est-ce que ça nous plaira toujours, comment les choses auront évolué. Bon, ça s'appelle la vie, il faut laisser du temps au temps. Cette carte qui peut représenter de la patience pour préparer les choses, vous l'avez aussi en challenge. Donc, il peut y avoir une forme d'impatience qui va avec cette pression mentale que vous vous mettez. Je voudrais savoir tout de suite comment ça va se passer, histoire de me rassurer en fait. C'est simplement comment vous rassurer? La force, le magicien qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc la clé pour vous rassurer, c'est de croire en vous. Et puis c'est de démarrer les choses, de poser des actions. Le magicien, il agit, il pose... une première pierre, il fait un premier pas, et puis il est communicant, il ouvre sa bouche, il pose des questions, il discute avec l'environnement, il n'hésite pas à dire ce qu'il est en train de faire, les projets qu'il a, comment il compte s'y prendre, à demander est-ce que tu penses que c'est judicieux, pas judicieux, il a à la fois cette énergie vive qui lui appartient, où il n'a pas besoin des autres pour aller de l'avant, il sait prendre des initiatives, donc prenez des initiatives, soyez investis dans la situation qui vous tient tellement à cœur, et en même temps... il sait, ce magicien, qu'il en est au début, donc forcément, il a des choses à apprendre, il y a des trucs qui vont... il ne sait pas de quoi demain sera fait aussi, mais ce n'est pas grave, il s'occupe de ici et maintenant, il a déjà fort à faire avec ici et maintenant, et puis on va prendre les choses étape par étape. Mais il agit, parce que si vous n'agissez pas, le mental, ça tourne, ok? Alors, dans votre état d'esprit avec ce 8 d'épée, ça peut m'indiquer aussi que là où vous vous étiez... beaucoup enfermé dans le mental, à vous mettre beaucoup de pression, à vous demander est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais obtenir ce poste, est-ce que ceci, est-ce que cela. Le fait de descendre d'un cran, ça, c'est peut-être aussi pour m'indiquer que justement, dans cette quinzaine, progressivement, vous lâchez prise. Progressivement, vous relâchez la pression. Progressivement, vous voyez les choses autrement. Vous arrêtez de vous empêcher avec des petites phrases de l'auto-sabotage, des trucs du genre « c'est pas pour moi, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis pas légitime » ou ceci, cela. Donc il peut y avoir une forme de lâcher prise au cours de cette quinzaine. Ce qui vous aidera le plus, c'est de faire, c'est d'agir, c'est d'entreprendre.
Et puis, c'est d'être dans cet état d'esprit optimiste, enjoué. Il a toujours la petite blague, ce magicien. Il aime bien plaisanter, il aime bien papoter, il aime bien rencontrer des gens. Il est dynamique et enjoué. Donc, soyez dynamique, soyez enjoué, prenez des initiatives, agissez. Ça vous permettra de... quelque part, de, alors, et d'une, de vous faire plaisir, parce que là où vous allez agir, c'est dans une sphère qui vous plaît vraiment. Vous voulez vous faire plaisir, vous voulez aller de l'avant, vous voulez, mais vous voulez, vous avez des choses à offrir aussi, hein, à offrir avec le cœur, vous voulez faire les choses avec le cœur. Alors, pour certains, c'est avancer dans une relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut être au sein d'un job. Il y a un truc qui vous plaît et vous avez envie d'avancer. Parce que ça vous plaît. Donc vous avez envie de vous faire plaisir et il communique, le cavalier de coupe, c'est un messager. Donc vous avez envie de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Peut-être aussi de pouvoir dire comment vous vous sentez dans des moments où vous vous sentez pas très bien, où vous avez un peu la pression. Le magicien, je vous le disais, il ose demander à son environnement, dire, eh ben écoute, je viens de débuter là et ça, ça me pose question. Ça, je ne sais pas exactement comment je m'y prends. Mais sa force, c'est justement de savoir que tout va bien se passer parce qu'il a cette confiance suffisante en lui pour ne pas se sentir diminué ou s'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas et de poser la question. Il sait qu'il n'y a pas de question bête. Il sait qu'on ne va pas le juger si il dit ben ça je ne sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux m'apprendre. Au contraire, ça va montrer qu'il a envie d'avancer, il a envie de grandir, il a envie de s'épanouir. Et il n'a pas envie qu'on lui tienne la main et qu'on fasse à sa place. Il a envie d'apprendre. Donc plus vous allez être dans cette énergie-là, plus ça va vous permettre de faire redescendre cette pression mentale. Donc je vous disais, 3 de bâtons, un peu compliqué de voir encore où ça va, ce qui se passe pendant cette quinzaine. Un peu compliqué de peut-être, ça implique peut-être une préparation. Le 3 de bâtons, c'est aussi la préparation de quelque chose. Alors dans quelle mesure il y a quelque chose à préparer, vous savez mieux que moi. Tout ne sera pas, si par exemple vous initiez un changement à travers un voyage, bon, tous les détails de ce voyage seront pas, tout sera pas bouclé pendant cette quinzaine. Vous n'aurez pas des réponses à tout. En revanche, inutile de vous faire des nœuds dans la tête, à vous dire ah mais oui, mais tout n'est pas, j'ai pas tout coché sur ma liste et tout n'est pas prêt. Non, tout n'est pas prêt. Mais il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux préparer, il y a des choses que je peux éliminer de ma liste pendant cette quinzaine. Donc faites-le. Pour moi, il y a un léger manque d'assurance aussi. Quand je vois la posture de cet homme, on sent qu'il est décidé, il a bien appuyé sur son bâton. C'est un peu, je le ressens comme le monde est à moi, je vais conquérir tout ça. Bon, bah, ce côté conquête, vous avez envie de conquérir avec le cœur et d'être conquise, mais je sens qu'il y a un peu de timidité, un peu de fébrilité à propos de cette conquête. En résultat, je vous le disais dès le début, le pape vous assure et vous rassure, tout va bien se passer. Le pape peut indiquer un engagement, donc ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être la signature d'un CDI, ça peut être le fait de s'engager dans quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui vous va bien. Alors oui, vous avez encore une fois des choses à développer, c'est le début, mais... on a ce côté bien aligné, spirituel, qui fait que vous êtes à votre place. Votre âme, elle est contente, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. J'ai beaucoup d'écoute avec ce pape. Alors, est-ce que c'est vous qui vous offrez à vous-même cet espace d'écoute
pour justement faire redescendre cette pression intérieure. Le cœur, votre cœur, vous êtes bienveillant avec vous-même, même si vous vous observez en train de stresser, vous vous offrez cet espace d'écoute pour calmer le jeu. Est-ce que vous offrez un espace d'écoute et de bienveillance à votre environnement? Peut-être que cette pression, vous la ressentez, vous êtes dedans, mais peut-être que ce n'est pas la vôtre, peut-être que c'est dans votre environnement. Et ce pape, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui vous écoutent, qui sont bienveillantes avec vous, qui sont sages, qui peuvent vous apprendre des choses aussi. Là, on a le débutant, l'élève, et puis là, on a le sage, on a le maître. Donc, si vous avez des choses à apprendre, à découvrir, des questions à poser, n'hésitez pas, vous trouverez des gens pour vous apporter des réponses. Et croyez-moi, vous enquiquinerez personne et vous trouverez des personnes qui seront patientes, qui seront ouvertes, qui seront vraiment bienveillantes pour vous aider à initier ce que vous avez à initier. C'est la spiritualité, c'est la foi aussi, ce pape. Donc il y a quelque chose de connecté, de spirituel, le fait de relâcher la pression du mental, ça permet aussi à cette dimension spirituelle de s'épanouir. Là, il y a une forme d'équilibre à trouver entre le haut et le bas, en fait. Il a ses mains dirigées vers le ciel, il capte le ciel et puis il incarne dans la terre. Et on a la même chose avec le magicien. Il capte du ciel et il crée, il incarne dans la terre. Le magicien en force, il vous dit aussi, crée ce que tu veux. Il y a quelque chose qui t'anime vraiment. Tu es créateur, créatrice de ta vie, tu peux le faire. Fais-le, lance-toi. Ok, en conseil, on vous parle d'air frais. Alors, la première chose qui me vient, c'est le fait de vous aérer l'esprit. Ok, le fait de sortir, ça peut que vous aider. Je pense qu'on vous parle de ça. Alors, air frais, on vous dit votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Il y a vraiment le fait de vous aérer et ça permet un meilleur ancrage, de stabiliser, de revenir dans votre corps, dans l'ici et dans le maintenant. Ça permet d'apaiser, il y a de l'apaisement avec ce pape, d'apaiser cette pression. Et puis ça permet aussi de sortir de cet enfermement intérieur. Donc il y a vraiment cette notion de se réouvrir à l'extérieur et de s'aérer l'esprit comme le corps et le cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.